The Sandbox, c'est un métavers avec un potentiel énorme. Pour faire simple, c'est la fusion entre Minecraft et les NFT. Mais The Sandbox va beaucoup plus loin que ça. La version alpha du jeu vient tout juste de sortir et sa capitalisation est déjà de 5 milliards de dollars. Et selon moi, ce qui fait la force de ce jeu, c'est qu'il est sorti en 2012, donc il a déjà 10 ans mais sa toute première version était sur iPhone et non pas sur Mac ou sur PC. Les fondateurs sont de vrais experts du monde du jeu vidéo et ils ont récemment levé 93 millions de dollars pour améliorer les fonctionnalités du jeu. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qu'est The Sandbox et on va voir tout son potentiel. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et il faut que tu saches que je ne suis pas conseiller financier. Donc comme d'habitude, fais tes propres recherches avant d'investir et euh, tout ce que je veux dire dans cette vidéo c'est à but purement informatif. Pour comprendre pourquoi les jeux vidéo liés au métavers ont un potentiel aussi énorme, c'est parce qu'il y a 3 milliards de joueurs qui jouent à des jeux vidéo et ils dépensent en moyenne plus de 150 euros par an. Le principal attrait des métavers sur la blockchain, c'est la façon dont les joueurs peuvent jouer, mais aussi construire et posséder des propriétés et des actifs à l'intérieur du jeu. Et ce qui est super important, c'est qu'ils peuvent vendre ces actifs contre de l'argent du monde réel. Et donc le métavers, c'est une opportunité énorme pour les joueurs, mais aussi pour les artistes. Les créateurs et aussi les marques. Et The Sandbox aide à libérer cette créativité. The Sandbox, à la base, c'est un jeu mobile et non pas un jeu sur la blockchain. Mais les fondateurs de The Sandbox ont tout de suite compris l'énorme potentiel que les NFT représentent. Les NFT, ça assure la rareté, la sécurité et l'authenticité des actifs numériques dans le métavers. Et donc grâce à The Sandbox, les joueurs peuvent eux-mêmes créer les objets qu'ils veulent voir apparaître dans le jeu, et ce, de manière authentique, sécurisée et fiable. En fait, les NFT, ça permet aux joueurs de The Sandbox de posséder leur création pour l'éternité. Avant de continuer, j'aimerais te parler d'un projet sur lequel je travaille depuis des mois et qui me tient beaucoup à cœur. C'est le lancement de mon premier cours en ligne. Le thème, c'est Quand acheter et Quand vendre ses cryptos Et je sais que vous avez été très nombreux à me dire que c'était un problème que vous avez souvent rencontré. Mon cours en ligne sortira au premier trimestre 2022. Et il y aura une promotion spéciale les 7 premiers jours uniquement suivant le lancement du cours. Donc, si tu ne veux pas louper l'offre spéciale qui durera 7 jours uniquement juste après le lancement, je te conseille de t'abonner à mon compte Twitter et également à ma newsletter en téléchargeant le king gratuit. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va faire un petit retour en arrière et on va comprendre l'histoire de The Sandbox. The Sandbox a été fondé en 2011 par Sébastien Borgé et Arthur à Madrid. The Sandbox a été créé par l'entreprise de logiciels qui s'appelle PixOwl et qui est basée à San Francisco. A la base, The Sandbox, c'est un jeu mobile en deux dimensions où les joueurs peuvent eux-mêmes créer leur espace virtuel. La franchise The Sandbox se lance en mai 2012 sur iOS. Et dès sa sortie, le jeu The Sandbox reçoit le prix du meilleur jeu de l'année, décerné par Apple, donc en 2012. Et l'année d'après, en 2013, il sort sur Android. Aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de joueurs actifs et on peut toujours y jouer. Il faut juste aller sur son iPhone et le jeu s'appelle The Sandbox Evolution dans l'App Store. Et après le bull market de 2017, où Bitcoin et blockchain sont apparus sur tous les écrans et tous les réseaux sociaux, Pixowl a annoncé qu'il allait créer un jeu 3D basé sur la blockchain Ethereum et donc créer des NFT sur cette blockchain Ethereum. Et juste après, en 2018, Pixel a été acquis par Animoca Brands, qui est une très grosse société de jeux vidéo qui est basée à Hong Kong et il y a désormais environ 150 employés qui travaillent pour The Sandbox Foundation et qui sont répartis dans 30 pays du monde. Maintenant, on va voir un peu plus en détail comment fonctionne The Sandbox. Et la chose vraiment à retenir dans ce jeu, c'est que tout ce qui est créé, c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc, contrairement à un jeu classique où euh, c'est le développeur euh, du jeu vidéo qui va finalement construire les personnages, designer tous les éléments 3D du jeu, euh, les bâtiments, concevoir également les expériences, les animations, enfin tout ce qui se passe dans le jeu. Là, c'est au contraire les utilisateurs du jeu qui vont designer. Euh, tous les éléments du jeu. Et donc, du coup, on peut se demander, mais comment c'est possible en fait Comment est-ce que The Sandbox permet à tous les utilisateurs de créer autant de choses euh, à l'intérieur du jeu Et en fait, The Sandbox, ils ont designé deux logiciels, un premier qui s'appelle Vox Editor et un deuxième qui s'appelle Game Maker. Et en fait, ce sont des, des logiciels qui sont super simples à utiliser et qui permettent aux utilisateurs comme toi et moi. De créer ce qu'on appelle des assets, donc qui peuvent être euh, des objets à mettre sur des parcelles de terrain ou euh, des vêtements pour euh, ton avatar. Donc là, on est dans le logiciel euh, Vox Editor, aussi appelé Voxel Editor. Et en fait, dans cet endroit, les utilisateurs peuvent créer des voxels. Et un voxel, c'est la plus petite unité de conception tridimensionnelle, ce qui permet en fait de concevoir et de donner vie à des créations, comme par exemple. Euh, des plantes, euh, mais aussi des animaux, des équipements pour ton avatar, comme par exemple une arme ou un chapeau, et tous les objets ou bâtiments qui vont pouvoir être présents euh, sur les parcelles de terrain dans le jeu. Et le deuxième logiciel, ça s'appelle le Game Maker. Et le Game Maker, en fait, c'est un logiciel, donc un outil qui permet aux utilisateurs de construire leur propre jeu en 3D sur euh, leur parcelle de territoire, donc leur land, en utilisant du coup les actifs soit qu'ils ont créé dans le Vox Editor, ou alors qu'ils ont acheté sur la Marketplace. Les actifs qui sont créés sur le Vox Editor, ce sont des NFT qui ont pour norme ERC 1155. Les LEND, c'est un autre type de NFT, et eux, ils fonctionnent avec la norme ERC 721. Et maintenant, on va parler un peu de l'architecture pour un peu mieux comprendre ce que c'est qu'un ERC 721 et un ERC... 1155. Donc pour avoir une vision d'ensemble de l'architecture de The Sandbox, concrètement il y a quoi Il y a une crypto-monnaie, donc il y a un token ERC20 sur la blockchain Ethereum qu'on appelle Send. donc voilà c'est la crypto-monnaie du jeu The Sandbox. Et ensuite il y a les NFT, et les NFT ça va être les parcelles de terrain ou les assets qui sont créés euh, via le Vox Editor ou le Game Maker. Et donc là j'ai trouvé euh, une image qui résume vraiment très très bien euh, les quatre classes en fait, d'actifs dans euh, The Sandbox. Donc le premier c'est euh, le jeton Send. Donc comme j'ai dit, euh, le jeton Send c'est un token ERC20 qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Tu peux staker tes sends pour avoir des revenus supplémentaires et il y a une quantité fixe de 3 milliards de tokens Send. Send euh, c'est également le token de gouvernance de The Sandbox DAO, ce qui veut dire que si tu possèdes des tokens Send, euh, tu auras un droit de vote pour améliorer la plateforme comme tu le souhaites. Et la crypto monnaie Send, ça peut être aussi utilisé pour créer des assets, donc des NFT. Ça peut être aussi utilisé pour acheter des objets dans le jeu ou acheter des land, donc des parcelles de terrain. Et c'est aussi la monnaie du jeu. Donc si tu veux, par exemple, assister à un concert virtuel sur The Sandbox et qu'il y a un droit d'entrée, tu paieras ton ticket en Send. Ensuite, il y a les tokens land. Donc dans The Sandbox, il y a 166 000 parcelles de terrain, donc voilà, qui, qui sont les tokens Land, et ce sont des tokens ERC721. Et c'est un des standards des NFT sur Ethereum. Les token land, tu peux les réunir en estate et aussi en district. En gros, les districts, ça appartient à deux personnes ou plus. Il y a des parcelles de terrain qui peuvent être possédées par des entreprises comme par exemple Atari, CoinMarketCap ou Binance. Et avec ta parcelle, tu peux faire énormément de choses. Tu peux organiser des événements sur ta parcelle avec du coup un ticket d'entrée. Tu peux aussi construire un magasin où les gens pourront acheter des objets. Tu peux aussi vendre tes NFT. Tu peux aussi faire de la publicité pour une marque de la vie réelle ou... Qui appartient au métavers, enfin bon, les, les possibilités sont infinies. Et donc, les deux dernières catégories, assets et Games, ce sont des objets qui sont créés par les utilisateurs du jeu via euh, les logiciels Vox Editor et Game Maker. Et la différence entre les NFT qui sont ERC 721 et ERC 1155, c'est tout simplement que il peut y avoir plusieurs opérations en une seule transaction dans le cas des ERC 1155. Donc en fait, euh, ERC 1155, c'est un peu une évolution des NFT ERC 721. Donc quand je dis évolution, ça veut dire que les transactions sont plus rapides et moins chères. Par contre, la plupart des investisseurs préfèrent acheter des NFT avec la norme ERC 721. C'est un peu vu comme le gold standard, donc en fait les NFT finalement euh, qui ont le plus de valeur. Ce qui rend The Sandbox si unique, c'est le fait que tout... Les objets du jeu sont créés par les utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose de très novateur, de révolutionnaire, qui change complètement l'approche traditionnelle du jeu vidéo, où euh, finalement c'était juste un éditeur de logiciels qui créait tout le jeu vidéo et après euh, ça s'arrêtait là. Là vraiment, c'est l'utilisateur qui crée tout ce qui se passe dans le jeu vidéo, qui crée les bâtiments, qui crée les objets, qui crée euh, les vêtements des avatars. Et le fait de lier ça au NFT, ça fait qu'on a un monde qui est euh, économiquement viable et très très robuste. Et maintenant, on va aller voir un petit peu le futur de Descendbox et ce qu'ils ont préparé dans leur roadmap. Un gros événement au deuxième trimestre 2022, c'est le lancement de la DAO, donc l'organisation autonome décentralisée, qui permettra aux possesseurs du token Send d'avoir un droit de vote. Il y aura également des mécanismes de staking pour les possesseurs des tokens Send. Et l'end qui leur permettra d'avoir euh, des revenus supplémentaires. À la fin 2022, on aura le lancement de la version mobile, donc qui sera différente euh, de la version mobile actuelle, parce qu'en fait, ce sera euh, la version sur la blockchain. Et en 2022, il y aura également euh, des améliorations sur les logiciels Game Maker et Voxedit qui permettront de créer encore plus de choses à l'intérieur du jeu et The Sandbox pourra potentiellement aussi être disponible sur des consoles de jeux comme la PlayStation ou la Xbox. Si tu as envie d'acheter la crypto monnaie Send de The Sandbox ou tout simplement de commencer à investir dans le métavers, tu peux le faire via mon lien Binance qui te permettra d'avoir 20% de réduction sur tous les frais de transaction. Le lien est dans la description. Donc si tu n'as pas encore de compte Binance, tu peux le faire. Et voilà, avec 20% de réduction. Ensuite, une fois que tu es dans Binance, si tu veux acheter n'importe quelle crypto-monnaie, il faut que tu ailles dans Trade, puis ensuite Convert. Et là, euh, bah, tu indiques ici euh, la crypto-monnaie que tu veux échanger et euh, ici celle que tu veux obtenir en échange. J'espère maintenant que tu as compris ce qu'était The Sandbox et que le métavers devient de plus en plus clair pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.